Salut à tous, c'est le Dav. Aujourd'hui on se retrouve sur 4h30 chrono, une petite application qui sert à savoir un petit peu les choses à faire en cas d'AVC. Donc ça va de la prise en charge, de l'incident en fait à domicile jusqu'à la prise en charge par les ambulances, etc. jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. Ça a été fait autant pour le personnel de santé pour qu'ils sachent un petit peu mieux au final tout le déroulé de la prise en charge d'un AVC, et autant pour des personnes comme vous et moi, des particuliers qui veulent un petit peu plus être au courant en gros de comment ça se passe. Alors c'est un petit jeu sérieux, on va essayer de pas faire mourir le patient, ce serait top. On va voir ce que ça donne. Nouvelle partie. C'est un samedi matin tranquille pour Christiane, sa fille Lucie et son gendre Cédric lui rendent visite. Tout le monde discute dans la cuisine. Christiane est contente, voilà, tout le monde rigole. Oh ! Soudain, Christiane se sent mal. Elle tombe par terre. Elle est tombée, vite, que faire ? Attention, le temps de Christiane est compté et chacun de vos choix lui coûte quelques précieuses minutes. Trop de temps perdu peut lui être fatal. Va pas falloir se tromper, mon gars. Elle est tombée, vite, que faire ? L'aider à se coucher, l'aider à s'asseoir. Elle est tombée, elle est pas bien, on l'aide à se coucher. Christiane n'arrive pas à se tenir debout. Ah, mais on lui a pas demandé de se tenir debout, je lui ai dit de la mettre couchée. Vous avez mis la patiente en position allongée, c'est bien, bravo. Alors maintenant on va l'examiner, lui donner à boire, lui donner à manger, lui donner un médicament, attendre un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des choses qui peuvent la tuer, merde, qu'est-ce qu'on fait? On va l'examiner déjà. Alors, bon, c'est un jeu sur l'AVC, donc on va de toute façon déjà lui demander quelque chose comme lui demander de parler. Est-ce que ça va, Christiane ? Christiane est incapable de formuler des phrases cohérentes. Il y a un souci. Essayez autre chose. On va lui demander de lever les bras. Elle ne parvient à lever qu'un seul bras. Le bras droit reste inerte. Oh, merde. Essayez autre chose. On va observer son visage. Le visage de Christiane semble s'affaisser du côté droit. S'affaisse du côté droit. Comme ça, vers là. Elle n'arrive pas à lever le bras droit. Mais elle a un AVC qui lui a paralysé tout le côté droit. Vite, félicitations, vous avez identifié les signes de l'AVC. Là, donc, on sait que c'est un AVC, donc... vite, on essaye autre chose. On l'a examiné, on lui donne pas à boire, on lui donne pas à manger, on lui donne pas de médicaments, on n'est pas médecin. On regarde dans la pièce, on attend un peu. Non, on regarde dans la pièce, on se dépêche. On regarde dans la pièce, qu'est-ce qu'on voit ? L'ordonnance. Cédric, met de côté la dernière ordonnance, ce sera très utile pour la prise en charge de Christiane. Yes, qu'est-ce qu'on voit d'autre ? L'heure, le temps. Ça veut dire qu'il faut qu'on se dépêche, on éteint la télé, on met les infos, on ferme la porte. Poursuivre. Vite ! Qu'est-ce qui pourrait être utile ? Vite ! On va fermer la porte. On va noter l'heure à laquelle... L'horloge indique 10h22. Cédric note fébrilement l'heure sur un bout de papier. Ce sera sans doute utile pour soigner Christiane efficacement. Vite, qu'est-ce qui pourrait être utile ? Vite. Le téléphone. On appelle le 15. Centre d'appel du 15. Bonjour, ma mère a fait un malaise. Elle est pas bien du tout. D'accord, à l'instant s'il vous plaît. Non, pas un instant. Depuis chez vous. Bravo, vous avez terminé l'étape 1 à domicile. Magnifique, c'est super, on a fini l'étape 1. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était le début de ce petit let's play sur 4h30. Donc 4h30, le temps qu'on a pour amener une personne aux urgences et qu'elle soit traitée à temps lors d'un AVC. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je reviens très vite pour la suite de 4h30. Donc ce petit jeu sérieux sur la prise en charge d'un AVC. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Fédération Nationale de l'AVC, hein, qui fait pas mal de prévention par rapport à ça. Le jeu est disponible là-bas, donc je vous mets le lien dans la description. Voilà, bah, je vous retrouve à très vite, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite des vidéos. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao.